Salut Hervé. Salut Gaël. Bienvenue sur Aventure Humaine. Eh bien, très heureux d'être avec toi, très heureux d'être avec vous. Un grand merci pour avoir accepté cette invitation. Un petit peu au dernier moment, on est dans un hall d'hôtel. Je crois que tu connais bien toutes les activités qu'on peut faire ici. On va y revenir, mais je pense que dans cet épisode, on va d'abord parler, on va approfondir beaucoup de thèmes autour de la nature, le vivant, les animaux, les multiples casquettes qu'un entrepreneur peut prendre, la création de contenu. Tu as écrit plusieurs livres, tu es podcasteur aussi avec La Traversée. C'est ça. Un super podcast en deux parties. J'aime beaucoup c'est peut-être presque la partie que je préfère avec le débriefing. J'invite déjà tout le monde à aller écouter cet édito. Mais avant de comprendre un petit peu les multiples facettes d'Hervé aujourd'hui, est-ce que tu peux te présenter ? Comment te présenterais-tu ? C'est ça, comment je me présente ? Je dis souvent que je suis un émerveillé de la vie. Par émerveillé, je dirais que comme un enfant, je regarde le monde, les yeux grands ouverts, je suis curieux, très curieux. Je crois que j'ai une soif d'apprendre qui ne m'a jamais quitté. D'abord, je pense que j'avais une soif d'apprendre qui je suis. Ça, c'est quelque chose qui me caractérise. Et donc, beaucoup des expériences que j'ai faites, sans être égocentrique, elles étaient quand même tournées vers une meilleure connaissance de moi. Parce que je me suis aperçu que la différence, c'est toi qui l'as fait, quoi. Et je me suis aperçu à quel point, par exemple, moi j'étais timide et j'étais pas à l'aise en prise de parole. Donc aujourd'hui c'est mon métier, mais c'est quelque chose que je me suis aperçu à quel point, quand tu maîtrises la langue, c'est tellement plus facile. Et j'ai vécu à l'étranger et je voyais bien comment c'était difficile quand tu maîtrises pas la langue aussi bien. J'avais l'impression d'une sorte d'injustice, tu vois. Tu voulais exprimer des choses que je n'arrivais pas à exprimer. Et j'aime mettre des mots précisément sur une situation pour mieux définir, mais en même temps, un peu comme dans la poésie, arriver aussi à exprimer quelque chose qui n'est pas possible avec des mots. Je ne sais pas si on peut parler de la beauté, de l'amour, des sentiments qu'on a. Et souvent, les mots sont réducteurs au regard de la vie. Et donc, comme la poésie, comment on peut arriver à faire dire ou à dire quand même cela, ou à faire entendre cela, faire vivre cela. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours paru important. Et puis la deuxième chose, quand je te dis que j'étais un émerveillé de la vie, c'est que je peux passer des heures à regarder, peut-être pas des heures, mais en tout cas longtemps, à regarder juste une fleur. Tellement c'est extraordinaire, les fleurs. C'est vraiment un truc extraordinaire. C'est la mathématique, sans rentrer dans la technique pure, mais de la géométrie de ces fleurs, c'est extraordinaire. Et donc donc j'ai écrit aussi sur ce sujet, sur la géométrie sacrée, comment ça fonctionne. Et je trouve que voilà, la nature est en permanence un livre ouvert pour ceux qui ont envie d'apprendre, en tout cas je fais partie de cela. Et puis aussi c'est un lieu de ressourcement. Et je pense que quand on n'est pas tout à fait à sa place dans ce monde, pas tout à fait calé encore, on va dire, on n'a pas encore trouvé sa voie, eh bien la nature est un lieu de réponse. Oui, un lieu de réponse, un lieu de par moments aussi même de renvoi, qui peut être un peu difficile, mais qui me permettent de trouver cette place, d'être en accord avec soi-même. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont mieux en été qu'en hiver et vice-versa, tu vois, ou à l'automne. Chaque saison a quelque chose à nous apporter. Enfin, en tout cas, nous qui vivons sous un climat de quatre saisons continentales, oui. C'est tout à fait différent quand on vit au tropique. Mais dans le principe, il y a pour moi quelque chose d'assez extraordinaire, c'est d'être en contact avec soi-même. Voilà, je dirais que si j'avais à me définir, c'est je suis un explorateur de ça, j'explore l'humain. Et d'où viens-tu avant d'être... D'où je viens ? De cette planète ? Explorateur. Je crois que je viens de cette planète Terre. Tu veux dire mon parcours, un truc comme ça ou...
Ton enfance. Ah, mon enfance. Alors, moi, j'ai passé mon enfance dans la région parisienne et très marqué par... mon père est d'origine corse, enfin, plutôt marseillais. Il est né à Marseille, mais je dirais que mes origines plus lointaines, c'est corse. Du côté de ma mère, c'est le Lot. Et entre ces deux régions, là, particulièrement, on a habité près de la Pointe-Rouge à Marseille. Et donc, entre la Pointe-Rouge à Marseille et le nord du Lot, près de... un petit village qui s'appelle Puberin, c'est près de Rocamadour. Et voilà, c'est deux attaches qui m'ont vraiment marqué, même si mes parents, tous les étés, on faisait la France, et mon père et ma mère étaient des scouts à l'ancienne, j'ai envie de te dire, très spartiates, mon père. Donc on dormait sur le sol. Au début, on n'avait même pas de tapis de sol. Après, on a eu un petit tapis de sol un peu rustique, tu vois. On dormait à la Belle Étoile, ou on dormait dans une tente à trois dedans, les petites canadiennes, là, tu vois. Et pour moi, c'était normal, comme ça. On n'a jamais été à l'hôtel. Et c'était, on allait partout comme ça, et on allait sur le terrain des gens. Jamais en camping, hein. Mmh. On était toujours en camping sauvage. Et donc, en France ou à l'étranger, on faisait comme ça. Et j'ai adoré ça, être dans la nature tout le temps. Se débrouiller avec pas grand chose, être toujours sur le lieu où tu veux voir le lendemain. T'es au bord de l'eau, si oui. Tu veux au bord de l'eau, tu vois, t'es juste à côté, un endroit qui gêne pas. Et puis mon père demandait toujours aux gens, il parlait pas bien, enfin il parlait bien français, mais il parlait pas les autres langues, avec trois mots d'espagnol ou deux mots d'italien. Voilà, on demandait à coucher sur place. On s'est fait une fois virer, je m'en rappelle, mais globalement, les gens étaient super sympas, ils nous apportaient de la bouffe. Enfin, tu vois, il y avait une sorte d'accueil. Un vrai partage. Ouais. Et ça m'est resté. Je me suis dit, tiens, c'est la vie extraordinaire, tu vois. Enfin, c'était la vie normale pour moi. Oui. Tu vois, c'est presque l'inverse. Et quand mon père, il nous disait, on dort là, on dormait là. Tu vois, tu faisais un peu ton truc, tu avais des cailloux dans le dos. Bon, ok, on a dormi sur des plages en galets. Jamais j'en voudrais à mon père. Ouais. Tu vois, si je me rappelle, deux fois, on allait chez des amis, il n'y avait pas de lit, bah on sortait le petit tapis de mousse et puis on dormait sur le carrelage. Mais je trouvais pas ça dur. Hein. Enfin, dur un peu sur le sol, mais quand t'es habitué, c'est pas si dur que ça. Aujourd'hui, ça me paraît pas très confortable. Mais j'étais habitué à ça. Et je trouve que, en tout cas, cette vie un peu spartiate, bon, il faut juste que je fasse attention, parce que sinon, c'est vrai que j'ai tendance à mettre tous les autres à la dure. Ouais. Parce que leur dit, bon, c'est bon. C'est bon, franchement. C'est bon, il y a de la moquette. Ça va aller, tu vois. Et mais je... T'as un oreiller, donc c'est bon. C'est ça, voilà, tu vois, pas non plus... Et encore, on n'avait pas d'oreiller, on mettait... Bah oui. On mettait, je sais pas, nos fringues, c'est tout, voilà, c'était comme ça. La paire de chaussures, ouais. Et il y avait... Et tout ça pour te dire qu'en fait, très tôt, j'étais éduqué à la nature. J'avais un grand-père qui était un fou furieux de vélo, et il nous emmenait tout le temps faire du vélo le matin, et... Moi, j'étais nageur, donc on allait dans la Dordogne, qui était juste à côté, on se baignait. Voilà, c'était des plaisirs simples et j'ai adoré ça. À outdoor, à fond, quoi. Oui, c'est ça. Et on était dans une, aussi bien du côté de mon père que du côté de ma mère, c'était cette nature, le sport. Mon père n'était pas sportif, ma mère n'était pas sportive, mais elle l'avait été, on va dire. Et donc, il y avait quelque chose de... C'était ancré chez nous que, voilà, la nature, le faire du sport, se balader. Mon père aussi était un féru de vieilles pierres. Alors, on a dû visiter toutes les églises de France et de Navarre, là. Les châteaux, et tous les vieux châteaux, toutes les vieilles ruines. Mais en même temps, ça te donne une idée du patrimoine, ça te donne une idée des gens, des racines, de l'histoire aussi. Donc moi, j'étais très marqué par ça, la géographie et l'histoire. Mais tu vois comment les hommes ont façonné la terre, ou comment la terre a façonné les hommes, parce que c'est aussi les deux sont vrais. La rudesse de la vie. Tout en même temps, en y mêlant la beauté. Voilà, je dirais que si j'ai... Mon enfance, c'est beaucoup autour de ça, et beaucoup autour... famille, très très famille. Et tu aspires à quoi? À cette époque-là, ou aujourd'hui? Tu rêves de quoi? Tu as envie de faire quoi plus tard? À l'époque, je dirais quand je suis enfant, rapidement, quand le sport c'était mon truc, je voulais être champion olympique. Je dirais pas que j'avais cet objectif quand j'étais jeune, mais je voulais juste continuer à nager et être avec mes potes, voilà. Ça, c'était un truc simple. Après, j'ai eu des ambitions plus fortes, mais plutôt à la fin de l'adolescence ou à la fin de l'adolescence. Je pense qu'il y a ça. Il y a la deuxième chose qui était importante pour moi. J'ai toujours eu envie
d'avoir une relation avec moi. C'est-à-dire qu'il y a une notion que j'appellerais spirituelle, ça ne veut rien dire et tout dire aujourd'hui, mais pour moi, si on prend le mot spirit, l'esprit, d'accord, comprendre l'esprit des choses, à quoi nous sommes reliés, qu'on y mette du religieux, ou qu'on y mette du non-religieux, si tu veux, il y a quand même un esprit dans les choses, et pour moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a quelque chose dans cette vie, on n'est pas sans but, sans finalité, et au moins on a une fonction. Et donc, moi, je l'ai trouvé dans la religion. Alors, mes parents étaient catholiques, donc, je me suis investi dans la religion catholique. Mais j'ai hésité à être prêtre, j'ai hésité à être frère, à être moine, tu vois. Mais pareil, j'imaginais, le rapport à la nature, tu vois, je me voyais moine. Mais après, j'ai compris que, premièrement, que d'être tout seul, il y avait un rapport... J'étais attiré par l'ascétisme, tu vois, et en même temps, je savais que c'était pas moi. Il y avait quelque chose de... Je sentais qu'il fallait que je travaille l'humilité, la présence à la terre, humus, la terre, tu vois, ce rapport-là. Et donc, et en même temps, je savais que j'ai besoin du groupe, tu vois. Et puis après, je suis tombé amoureux. Donc, après, je me suis dit, bon, ok, c'est compliqué là, il va falloir, y compris pour la prêtrise, tu vois. Donc, j'ai lâché tout ça. Enfin, j'ai pas lâché obligatoirement mon ancrage religieux, on va dire. Puis après, je dirais que je me suis un peu détaché de la religion telle qu'elle est exprimée aujourd'hui. Pourtant, je crois toujours à ses valeurs. Je crois qu'on n'a pas besoin d'être dans la religion, mais religion, c'est se relier. On a besoin de se relier, voilà, et s'ancrer sa propre religion, son propre mouvement. Mais voilà, je suis resté relié aux choses. Et puis, il y a un truc qui m'a marqué petit... Assez tôt, je n'arrive pas à savoir quand ça a commencé, c'est dans ce rapport à la nature, le rapport que j'avais aux arbres. Et quand j'étais enfant, c'était une sorte de ressourcement pour moi que d'aller en forêt, dans des parcs, dans des grands parcs, y compris quand on était en région parisienne. Dès que je pouvais, je montais dans les arbres, mais pas haut, je ne cherchais pas à aller à la cime des choses, tu vois. Ce n'était pas de l'accomplissement, c'était juste de me coller, me lever, tu vois. Je sais pas si c'était plus, tu vois, comme une panthère qui se pose juste, tu vois, mais j'étais pas un prédateur à regarder, je profitais. Et j'ai compris plus tard qu'en fait je dialoguais, j'avais une sorte d'écoute intérieure. Et moi qui étais un agité du bocal, on va dire un grand penseur, et ben ça me calmait. Je crois que c'était vraiment j'arrivais pas à exprimer mes émotions quand j'étais enfant et adolescent, ça sortait pas vraiment bien. Et comme beaucoup de garçons ou de filles, à un moment ou à un autre, tu te demandes si t'es pas un peu dingue quand t'es pris par tout ce qui t'arrive, par les changements hormonaux, par tout ça. Et moi, ça, à la fois nager et la nature, et en particulier les arbres, c'est resté. Et après, plus tard, j'ai compris, je sais pas si je continue ou si tu veux. Il y a eu une phase, du coup, après où tu as construit une carrière à l'international. Oui. Très très en dehors des abbayes. Et... Ouais, mais en même temps, tu vois, toujours dans cette soif d'apprendre, en fait, qu'est-ce qui m'a amené à l'international ? C'est parce que j'ai envie de voir d'autres pays, j'ai envie de rencontrer d'autres personnes. J'étais, tu sais... Comment ça s'est fait comme l'enfant qui a peur de quelque chose et qui en a très envie. J'étais là-dedans. J'ai été dans plein de pays, à chaque fois, je parlais pas la langue. J'étais tout seul. Tu vois, t'arrives à l'aéroport, t'arrives à la... Tu cherches, tu sais même pas comment tu vas demander ton bus, ton train, et puis tu vas. Et bah, ça me faisait flipper, hein, j'y pensais. J'étais un type de pensée, alors tu te racontes des histoires. Hein. Mais tu y vas. Mais tu te dis, il y a une sorte de dans mes tripes, il fallait que j'y aille. Et puis petit à petit, je me suis mis à parler de mieux en mieux anglais, donc c'était de plus en plus simple vis-à-vis au moins de la langue parlée par la majorité. Mais il y a quand même des pays dans lesquels j'ai été, les pays de l'Est par exemple. J'ai monté une structure dans les pays de l'Est, ils parlaient slave. Au mieux, ils parlaient allemand, mais moi, mon allemand, ça n'a jamais été ça, je n'ai jamais fait d'allemand. Donc voilà, bon, j'ai eu avec un père qui a bossé 35 ans chez Siemens, j'aurais pu, mais dans la réalité, je ne parlais pas allemand. J'étais plein de fois en Allemagne, alors je connais plein de mots, ouais. Mais je ne fais pas de phrases, voilà, donc c'était compliqué. Il me restait les gestes, il me restait les regards, quoi.
comment c'est, tu t'es dirigé, comment En fait, l'alignement à un moment ou à un autre, il y a plein de choses qui font que tu rencontres des gens qui t'amènent à penser que tu peux faire des choses. Moi, dès le départ, je voulais être entrepreneur. Dès que j'étais dans cette école d'ingénieur, je savais que déjà je faisais pas ce que les autres faisaient, puisque j'ai créé un concours d'éloquence. Je m'intéressais à autre chose que au monde de la technique pure, même si ça m'a pas déplu, mais j'étais pas fait pour ce monde-là complètement. C'est-à-dire, j'aime passer le temps derrière un ordinateur, mais pour écrire, pour l'introspection. Eux, c'était pas l'introspection, c'était de faire des programmes, de développer des projets. Et ça m'a plu, mais dans la nature, le lien qu'il y a avec l'humain, si tu veux. C'est, j'adore un pont, j'adore la structure, mais c'est pour ce qu'il fait. Relier, tu vois. Traverser. C'est ça, exactement. Même si où j'adore regarder une cathédrale, mais parce que c'est un endroit dans lequel on va prier, tu vois, c'est la fonction qui m'intéresse. Mmh. Et après, c'est de magnifier la fonction, de magnifier ce qui est, et non pas de créer pour créer. Tu vois, pour moi, quand il n'y a pas de sens, ça a toujours été un truc qui m'a posé un problème. Maintenant, je dirais que toute la jeunesse est naturellement câblée comme ça, mais je posais la question, mais pourquoi on fait ça? Tu vois, et j'étais souvent le gars qui posait cette question. J'avais l'impression d'être, pourquoi il n'y a que moi qui la pose cette question? Et ça, moi, j'arrivais pas à bosser quand je savais pas pourquoi on bossait. Bien mais sûr. Comme beaucoup de gens de cette époque, on baissait la tête puis on bossait. Mais ça m'aidait tellement plus quand. Et c'est pour ça que souvent j'ai trouvé des boulots dans lesquels je savais pourquoi je faisais les choses. Et jusqu'à quand, du coup? Et donc après, je suis parti dans une carrière internationale dans les télécommunications. Et dans ce rapport aux autres, dans ce rapport à, je dirais, dans le monde des télécoms, tu sais, quand même un monde qui relie les hommes aux hommes, en fait, encore, tu vois. Et moi, ce qui me plaisait là-dedans, c'était à la fois le côté multiculturel et d'être dans un métier technique dans lequel, en fait, on était moi, ce qui me plaisait, c'est la partie service, c'était pas la partie produit du tout. Oui, oui. Donc j'étais dans la partie service, on servait des gens qui avaient des besoins. Et ce qui m'a plu, c'est de comprendre les activités à chaque fois, tu vois, sans pour autant les maîtriser. Tu vois, et j'avais la chance de servir tout type d'activités. Donc à chaque fois, pour moi, c'était une découverte. Tu passes du banquier du banquier trader au, je sais pas quoi, à l'agroalimentaire, en passant par des métiers qui n'ont rien à voir. Et à chaque fois, je trouve qu'il y avait l'essence du métier. Tu vois, d'écouter ce que font les gens, qu'est-ce qu'ils aiment. Tu vois, moi, j'adorais. Pour coller au mieux. J'adorais aller visiter les usines. Oui. Tu vois, quand les clients me disaient, je viens, je vais voir ce que tu fais. Donc, tu vois, tu vas visiter, je sais pas, l'usine de Moulinex, comme tu vas visiter l'Alstom, quand tu vas visiter. Tu vois, et moi, dès que je pouvais, je visitais vraiment, je passais du temps avec mes clients. Donc, il y a eu un rapport comme ça qui était important, c'est le concret. Mais je me suis aperçu à quel point, en fait, quand on est dans nos sociétés, le concret, alors ça dépend des métiers, mais quand tu fais un métier d'ingénieur ou quand tu fais un métier à direction générale, on bosse avec des concepts, ce qu'on nous a appris à l'école. Et ces concepts nous éloignent de la réalité. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas de quoi on parle, mais on sait vaguement de quoi on parle. Et au bout d'un moment, tu peux parler d'humain avec des chiffres, tu peux parler de chiffres, tu vois, qui ne revêtent pas une réalité complète. Et souvent, moi, je me suis attardé à ça, c'est de dire, en fait, non, quand tu me dis qu'on a, je sais pas, 50 personnes, on disait des FT, ok, combien il y a de personnes sur ton projet, 200, 2000, peu importe, ok, c'est qui sur qui tu comptes dans ces la loi de Pareto s'applique toujours, donc les 20% qui vont faire la différence, c'est qui? Tu les connais? Bah rencontre-les. Ceux-là, au moins, il faut que tu les rencontres. Et les 20% qui sont pas à leur place, qui font le bordel, et c'est pas parce qu'ils sont pas bien, c'est juste qu'ils devraient pas être là. Ok, tu les connais, parce qu'il faut que tu les sortes maintenant. C'est ceux-là qui vont te faire foirer ton projet. Et donc, même si après on peut utiliser un concept, c'est la loi de Pareto, mais tu l'appliques concrètement. C'est pas, il y a 20% et 20%. C'est qui? Concrètement. Et moi, je ramène toujours à ça souvent. Concrètement, tu vas faire quoi? Tu vois, quand je suis dans un coaching, je demande toujours concrètement. Parce que le mot concret, ça parle bien, tu vois, aux gens. Tu tapes la table et tu te dis, il se passe quoi là, tu vois? Et bah oui. Et sinon, c'est oui, non, mais tu sais, c'est une table. Okay. Concrètement, c'est laquelle, tu vois?
Et quand tu parles, c'est comme si tu me disais, bah oui, j'aime une femme, laquelle? J'ai des enfants, ils s'appellent comment? Tu vois? Et dès qu'on se remet en contact avec la réalité, quelque chose qui est précis. Il y a une autre dimension. Et en fait, on redevient dans l'universel, on retouche à l'universel. Dès qu'on est dans si tu veux, je dis souvent aux gens, quand vous êtes dans le personnel, quand vous parlez de choses qui vous touchent, vous touchez à l'universel. Alors que quand on est en générique, c'est-à-dire que je parle des gens, on parle de personne, en conséquence, je n'intéresse personne. Donc il faut toujours parler du concret, de quelque chose qui nous touche, quand on veut transmettre quelque chose. Et moi, cette soif d'apprendre, et j'ai un âge où on me demande souvent de transmettre, c'est-à-dire, mais Hervé, tout ce que tu sais, il faut quand même que tu le dises. Et donc c'est pour ça que j'écris, c'est pour ça que je fais ce podcast, c'est pour ça que je partage mes connaissances comme les gens qui sont mes connaissances. Hein, okay. Et comment s'est opéré, est-ce qu'il y a eu une transition douce ou radicale entre justement ton activité d'aujourd'hui? Est-ce que tu as vécu, tu as mis en place des choses pour te rapprocher de cet accompagnement humain? Alors en fait, il y a plusieurs chances, tu sais, toujours, ça n'arrive pas dans un... en une seule fois, mais je dirais que moi j'ai eu la chance de découvrir. Alors il y a le sport qui m'avait ouvert à des choses, je dirais que mon enfance, c'est dont on parlait tout à l'heure, cet esprit un peu plus spartiate qui fait qu'on est au contact de la nature, m'avait préparé, je pense, à un terrain de fertile. Oui, et j'ai eu la chance de découvrir la médecine chinoise. Mmh. J'ai eu la chance de découvrir un gars qui m'a aidé à comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi, mais sans qu'il le fasse exprès. C'était pas un pédagogue. Non, c'était c'est un thérapeute, tu vois, qui s'occupe de toi. Et juste, j'avais un problème à un œil, il m'a remis l'œil, voilà. Et la deuxième fois que je suis venu, j'avais eu un accident de moto. J'adore la moto, donc j'ai conduit beaucoup de motos. J'ai eu quelques accidents, et plus jeune en tout cas. Et je roulais trop vite. Enfin, en tout cas, je faisais pas assez attention. Et je me rappelle, je reviens, j'avais eu un accident, mais j'avais rien eu. La moto, j'avais abîmé, mais moi, j'avais rien. Et tu sais, tu t'es tendu dans le cas d'un accident, donc je vais le revoir parce que je me rappelais que mon pote qui me l'avait conseillé m'avait dit ouais, parle-lui de tout ce que t'as. Et là, je sentais qu'il y avait plein de trucs. Et quand je vais le voir, je ressors, même sensation que la première fois. J'avais l'impression d'avoir le monde ouvert. J'avais un masque ouvert à travers mon casque qui était donc réduit en termes de vision, mais j'avais l'impression de voir le monde beaucoup plus large. Une sensation d'être plus connecté à mes sens. Il y avait un rond-point pour sortir de chez lui, je fais le tour du rond-point, je reviens. Il me dit, vous avez oublié un truc? Je dis, non. Comment on fait pour apprendre votre truc? Il me dit, comment ça? Bah, je sais pas, vous faites des stages? Il me dit, oui, j'en fais un la semaine prochaine. J'appelle mon assistante, je lui dis, il y a quoi lundi? Je suis pas là. J'annule. Voilà, j'annule tout ce que j'avais le lundi. Et j'ai commencé comme ça. Ça, c'était dans les début des années 90. Fin 87, c'est ça, entre 87 et 90, 89, les premières fois. Et après, pendant 10 ans, toutes les années 90, j'ai appris avec lui régulièrement. Donc après, jusqu'à donner du temps dans son cabinet, jusqu'à donner du temps à un groupe de thérapeutes où on se retrouvait toutes les 6 semaines. Et en fait, moi, j'ai appris, et j'ai développé d'autres techniques, donc de la médecine chinoise, en passant par le magnétisme, en passant par... Et tu t'aperçois que tu as plein d'aptitudes. Après, grâce à lui aussi, j'ai rencontré des guérisseurs dans le monde. Il m'a ouvert à cet esprit que j'avais pas. Tu vois, j'avais une vision très cartésienne des choses, très européenne, très française aussi. Et donc avec l'international, ça m'avait ouvert déjà à d'autres choses. Et puis quand tu rencontres des gens, tu t'aperçois que, bah oui, il y a quand même 2 milliards de personnes. Je parle juste des Chinois et des Indiens qui ont 2 grandes médecines. Ayurvédique et chinoise, qui sont pas du tout basés sur le même système que nous, beaucoup plus avec une vision holotropique ou une vision holistique, et donc de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui prennent en compte beaucoup plus d'éléments. Et là, je me suis dit, ah waouh, je connais rien de tout ça, moi. Et donc j'ai adoré apprendre tout ça, j'ai adoré alors j'ai pas fait la partie pharmacopée, c'est-à-dire la partie pharmacie, prescription, ouais, okay, ouais. Parce qu'à l'époque, c'était pas facile de faire venir des produits de Chine, et je voyais pas l'intérêt de nous gérer avec des produits chinois, sachant qu'on n'a pas un estomac fait comme un chinois ou comme, oui,
ou comme un indien. Donc voilà, je me suis mis à l'aromathérapie, j'ai lu des vieux bouquins, parce qu'à une époque dans les années 60, on oublie, mais c'était une grande mode l'aromathérapie, où les médecins étaient, beaucoup de médecins étaient dans ce milieu-là, donc j'ai lu plein de choses sur ça ce revient. Sujet, voilà, c'est ça. Oui, mais c'est moins la médecine, si tu veux, c'était dans le courant de la médecine, c'est oui, ça oui. que je veux te dire. Oui, oui, oui. Et il y a moins d'ouverture à tout ça aujourd'hui, j'ai envie de te dire. Il y a plus d'ouverture à l'extérieur de la médecine. Oui, me oui. semble-t-il, hein, peut-être, que peut-être qu'il y a des bien gens. Bien sûr, bien sûr. Okay. Mais je dirais tout le mouvement naturopathe qu'on trouve aurait été un mouvement purement intégré à la médecine, tu vois, qui okay, est ouais. aujourd'hui en général à l'extérieur. Donc, sans être thérapeute, je me suis petit à petit découvert un talent à ça, une envie à ça, de m'occuper des autres. Je faisais beaucoup de massages dans le sport, mais parce que j'aimais le massage sportif, tu vois, parce que voilà, bien gérer mes muscles. Mais j'étais toujours dans l'aspect mécanique avant, tu vois, être bien, pas dans le sens récupérer mieux, enfin tu vois, par rapport à la performance. Et j'étais pas dans le vrai bien-être intérieur. J'avais aucune idée de mon intériorité. Et ce que j'ai découvert en faisant tout ça, c'est petit à petit une autre manière de vivre, une autre manière d'être, une autre manière de comprendre le monde. Et je pense que tout ça, ça m'a petit à petit amené à, après quand j'ai découvert le coaching, à me dire, et encore c'est pareil, c'est toujours des rencontres qui m'ont amené là, et toujours de me dire ok, c'est pour moi, bon, et en une semaine ou en une minute, j'ai pris la décision d'aller faire du coaching, ensuite d'aller faire du thérapeutique, et puis après ta vie t'amène les rencontres. Tes rencontres, mais aussi la vie personnelle. Moi, je alors à la fois le métier, le boulot qui est devenu moins intéressant pour moi, des contraintes qu'on m'a imposées qu'au fond j'ai pas bien accepté, pas bien vécu. J'aimais faire la stratégie et être à la direction générale, et on m'a proposé de, en fait on était dans une activité qui était l'outsourcing chez AT&T, et on m'a demandé de reprendre l'activité commerciale, mais de toute l'activité qu'on avait, alors que nous on était que dans la partie outsourcing. Je dirais que c'était la Rolls Royce de l'activité, celle qui dégageait le plus de marge, celle dans laquelle moi j'avais le plus de plaisir à travailler, où il y avait le plus à la fois de la stratégie et en même temps des gros dossiers sur lesquels tu travailles pendant longtemps. Et puis là, on se retrouvait, je dirais, à vendre de la rondelle de 12 à la Rolls Royce. Et la rondelle de 12, je vais être honnête, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Après, ce qui m'intéressait encore, c'était les humains qui s'en occupaient. Donc je me suis retrouvé à la direction commerciale de cette organisation. Et j'ai aimé les rencontres humaines encore, mais elles étaient moins intéressantes parce qu'on était plus cadrés, il y avait moins de possibilités. Heureusement, il y a eu des belles aventures quand même, hein. Je regrette pas tout ce temps-là. Tu aimais la casquette d'intrapreneur à ce moment-là? Ouais, mais j'étais déjà dans l'esprit entrepreneur. De toute façon, moi j'ouvrais des pays. T'ouvrais, alors que j'avais pas la responsabilité de le faire, tu vois. J'ouvrais des contrats dans lesquels j'aimais. Tu vois, je pense que j'ai rapidement compris que le copier-coller, c'est une bonne manière de faire. Quand t'as un truc qui marche bien, tu le produis. Mais si tu veux, moi, le reproduire, c'était pas que en France. S'il fallait, si on me donnait la France, bah, je m'occupais de l'Italie, de l'Espagne, et de machin. Et c'est ce que j'ai fait rapidement. Et donc, j'ai eu la chance souvent d'avoir été suivi ou poussé, en me disant bah vas-y, t'as l'air d'être bon là-dedans, vas-y. Et quand j'ai senti que c'était plus possible, parce que l'organisation était, allez, j'ai envie de te dire petite mentalement, c'est-à-dire elle s'est restreinte avec des objectifs qui n'étaient pas les miens, d'habiller la mariée pour vendre à tété. Voilà, plus de sens. Ouais, ça avait pas vraiment de sens. Et deuxièmement, en plus de ça, la mentalité des gens qui étaient là était moins intéressante parce qu'elle était tournée vers des objectifs qui sont personnels. Donc moi, ce que j'appelle des petits rêves. Et j'ai une phrase qui m'a marqué depuis très longtemps, que j'avais découvert de Léonard de Vinci, qui dit « On ne meurt pas d'avoir essayé ou d'avoir eu des échecs quand on a voulu atteindre nos grands rêves. On ne meurt pas de ça. On meurt de toutes les petites réussites qui n'ont aucun intérêt et qui font qu'en fait, on n'est satisfait de rien dans la vie. On meurt de ça, d'être petite personne qui n'a réussi. Mais c'est pas le fait de la réussite, d'avoir réussi quelque chose de grand, mais d'avoir osé affronter le grand, oser se confronter au grand, tu vois, et peu importe qu'on ait réussi, se dépasser, tu vois, en tout cas d'aller vers un grand rêve. Et moi je c'est devenu mon leitmotiv, ne pas rêver ma vie mais vivre mes rêves.
Et donc, bah, j'ai continué à rêver. Hein. Hervé, c'est un anagramme de rêve. Il n'y a pas l'accent, mais c'est tout. Mais sinon, je me suis toujours servi de ça pour me dire, OK, qu'est-ce que j'ai envie de vraiment d'arriver à vivre ? Qu'est-ce qui fait que tu as peur, mais tu sens qu'au fond de toi, tes tripes, et tu te dis, mais vas-y, ça serait tellement top. Et qu'est-ce que tu y mets ? Et donc, j'ai eu la chance d'aller vivre avec les Touaregs, d'aller traverser. Grâce à la médecine chinoise, je me suis retrouvé en fait au Niger grâce à cette personne qui m'avait formé, qui avait une association qui s'appelle Enfants et Solidarité dans le monde et qui s'occupait d'enfants des rues, donc dans les favelas brésiliennes et en Afrique. Et donc moi j'ai plutôt été en Afrique et donc tu rencontres des gens, tu vois, ça te marque, hein, la première fois que j'ai rencontré ces enfants, où tu as des jeunes de tous âges et jusqu'à des jeunes qui n'ont pas 20 ans, mais l'ordre d'idée, je sais pas, 18-20 ans max, qui vivent dans la rue. Tu as des éducateurs qui sont avec eux et qui essayent de faire en sorte qu'ils ne font pas trop de conneries et d'avoir un foyer, une sorte de famille dans laquelle ils se retrouvent tous, tu vois. Et là, tu arrives dans un truc, une sorte d'école un peu délabrée, dans laquelle tu vas avoir 50, 100 gamins, tu vois, qui vivent dans les rues à Niamey. Et là, tu sais pas s'il n'y en a pas un qui va te planter, parce qu'ils ont tous des couteaux. Tu sais pas s'ils n'ont pas un flingue. À l'époque, c'était rare. Alors maintenant, peut-être qu'ils auraient des flingues. Et tu dois te faire respecter. Et là, ça te. On parle de l'homme, hein. C'est, tu vois, c'est en face de toi, tu as que de l'instinct de survie. De survie. Tu vois. Et donc très vite ils te jugent. Très vite ils savent ce qui t'est. Très très vite ils savent s'ils peuvent te faire confiance ou pas. Très vite ils sentent ta peur. Très vite, tu vois, tout ça, c'est très instinctif. Donc tu as face à toi des gamins qui sont. En même temps, tu te dis que c'est des gamins. Ils ont besoin d'être pris dans le bras, tu vois. Ils ont besoin de rire. Ils ont besoin de jouer. Et en même temps, ils ont besoin de respecter la personne qui est en face d'eux. Et donc, moi, j'étais chargé de les éduquer à la médecine chinoise ou au magnétisme. Tu vois, en fait, et dans mon esprit, c'était, il faut qu'on soit super concret. Leur truc à eux, c'est la faim. La faim au point que certains allaient péter des pipelines pour boire du pétrole pour couper la faim. Tu vois, quand on est là, c'est des histoires de vie, tu peux pas oublier. Et donc, quand tu sais ça, quand tu vas les voir, tu sais que tu dois te tenir. Et donc je leur ai proposé de comprendre ce que c'était que l'énergie, tu vois, dans leur corps. Et donc j'ai fait des exercices avec eux, physiques, pour leur faire prendre conscience de ça. Et ça me venait à chaque fois, j'inventais les exercices au fur et à mesure. Et j'ai eu la chance de gagner leur confiance. Et donc là tu vois que les couteaux, tout ça, ils sont rangés, quoi. Et ça, c'est des grandes joies d'arriver à trouver un équilibre entre... Et ça, je sais que ça vient de l'intérieur, de ton intérieur. C'est tout le travail que j'avais fait avant, qui m'avait reconnecté à moi, et d'accepter que j'ai peur. T'as peur, voilà, c'est tout. C'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est de la cacher. C'est-à-dire de pas assumer. Tu vois ? Et puis d'y aller. Et comme j'y allais, les autres me suivaient. Et donc, j'ai installé une sorte de climat de confiance et de jeu qui fait que on a pu bosser ensemble, on a pu faire des choses. J'ai pu leur apprendre un certain nombre de points de la médecine chinoise qui t'aide à contrôler ta faim, à mieux vivre avec tes difficultés, aussi à mieux sentir ton corps et à mieux comprendre ce qui se passe. Voilà. Même si tu te dis, qu'est-ce que je leur ai vraiment appris ? C'est petit au regard d'un besoin basique et de manger que tu n'as pas. Voilà. Mais encore une fois, tu leur as appris la connaissance intérieure. Tu leur as ouvert un petit peu la. Et puis peut-être aussi de leur montrer, je sais pas, j'en sais rien, un autre monde. Tu vois, tes blancs, ils sont noirs, ils vivent un autre monde. Jusqu'à présent, les blancs, c'est ceux qui ont de l'argent. Là, j'avais autre chose à leur donner que de l'argent. Et je pense que c'était intéressant pour eux, ça aussi. Je sais pas, il faudrait leur demander exactement tout ce qu'ils retiennent après tout ça. Après, on allait dans des écoles où tu apprenais à fonctionner, à les apprendre à se calmer, à mieux gérer les rapports entre les chauds froids. Parce que tu vois, d'ailleurs, ils partaient le matin, c'était les endroits où ils partaient tôt pour aller à l'école, tu vois, ils avaient des fois 2 heures de marche, donc ils partaient en anorak,
Mais à 10h le matin, il faisait 40 degrés. Oui, toi. Ouais. Donc, comment tu gères tous ces trucs-là ? Donc, gérer les problèmes de respiration, pas de médicaments, peu de médicaments. Donc, comment tu apprends à gérer ton corps avec tout ça ? Donc, voilà, donc, plein d'expériences de ce type-là. Et puis après, j'ai découvert le nord le nord-est du Niger, qui est complètement différent, qui est donc le peuple Touareg, Agadez au-dessus. Et j'ai découvert des gens extraordinaires. Une société matriarcale et j'y suis retourné voilà parce que j'ai adoré en fait déjà vivre dans ces lieux. Là j'ai plein d'histoires, je pourrais raconter des heures d'histoires, et puis traverser en fait à dos de chameau une partie du subsaharien sud libye que quasiment la Mauritanie, et 3 mois extraordinaire. Et tu rentres pas le même homme. Ah non, t'es pas le même homme, mais de toute façon, t'es pas le même homme quand t'es là-bas. Il y a la collection La Terre qui est très forte. Hein. Moi, je trouve le subsaharien, mais le Sahara, j'adore le désert, moi. J'ai pris du temps à le traverser. Alors, pas le traverser du nord au sud, mais plutôt d'est en ouest à chaque fois. Bon, un petit peu en Tunisie, du nord au sud, mais ça fait pas un grand trajet. Et tu marchais, simplement marcher en silence. Donc tu vois, je vais apprendre, j'organisais ça, des marches en silence dans le désert. J'emmenais des groupes, j'emmenais des individus pour découvrir qui on est dans... Et le désert, c'est révélateur. Hein. Il y a des gens comme qui... Comme les animaux. Ouais, ça rend un peu fou dans le sens que ça te confronte à toi. Donc il y a des personnes pour qui c'est difficile, il y a trop d'énergie. Bon, je sais gérer ça, donc ça m'a jamais fait peur. Mais enfin, même je sais gérer ça chez les autres. Je veux dire, je suis à l'aise pour les accompagner. Mais je sais qu'on m'a raconté plein d'histoires de gens qui devenaient un peu dingues parce qu'à un moment donné, voilà, ils sont face à l'immensité, ils sont face à leur propre immensité. Et ce que tu apprends, en fait, c'est à écouter ton propre silence. Et le silence, pour beaucoup de gens, c'est la mort. C'est le vide, alors qu'on est plein. Et le vide comme intersidéral, c'est encore du plein, tu vois, c'est plein d'énergie. Et toute cette énergie intérieure qu'on a, pour moi, c'est une immensité. Et c'est ça que j'ai découvert avec le temps, moi qui parlais pour combler, parce que j'étais dans une famille où on parlait beaucoup. Là, j'ai appris à écouter à l'intérieur. J'ai appris à être présent avec densité. Et cette densité que tu as à l'intérieur de toi, je ne sais pas comment te dire, c'est Monument de Vallée, quoi. Tu as déjà été là-bas, c'est un espace immense, tu as ces grandes roches. Mais entre, tu vois, c'est pas les Alpes où on est serré. Là, il y a c'est immense, bah, c'est ça ton intérieur. Il y a des choses avec énormes qui prennent de la place, et en même temps, il y a un espace intersidéral entre ces deux, entre ça. Et si tu sais habiter ces parties-là de toi, bah, t'es dans une présence qui n'a rien à voir. T'es dans un échange qui n'a rien à voir. Et ça, vraiment, tu t'aperçois que les animaux, les arbres, tout ce qui vit est dans cet échange-là. Tu peux être dans ces fréquences. Tu vois, un arbre, c'est 4 hertz. La vibration d'un arbre pour faire monter cette sève. Hein, comment ça fait pour monter à 20 mètres de haut, à 50 mètres de haut ? Il n'y a pas de pompe. C'est un truc de malade. Et voilà, et ça passe par les extérieurs. Et tu te dis, waouh, comment ça fait pour monter et descendre ce truc ? Monter le sucre et redescendre. Tu vois, tout ce qui est la transformation qu'il y a eu au niveau des feuilles. Et tu vois, à l'intérieur de toi, bah, c'est ça en fait. 4 Hz, c'est ta fréquence de méditation. Okay, et donc, bah, tu peux méditer à cette vitesse-là, juste en étant connecté à un arbre. Et quand tu arrives à lâcher ton esprit, dans la seconde où tu fais ça, tu t'aperçois que tu es en connexion. Et là, tu es en dialogue. Alors, on met des mots, on met des ressentis, on met des images, peu importe. En fait, tu vas utiliser tes sens. Et plus tu vas être développé là-dedans, et plus ça va te paraître évident qu'il y a une communication, un dialogue. Il ne sera pas exactement... je dis souvent, je suis comme Jeanne d'Arc, j'entends des voix, mais ce n'est pas obligatoirement dans le sens de vraiment entendre des mots. Je crois que je traduis par des mots.
Et je ne suis pas sûr que ce ne soit pas des sensations. Une énergie, tu vois, une intuition. Mais pour autant, je peux te dire que c'est des mots très précis. Pas des tonnes de mots. Hein, les arbres, c'est lent. C'est grave, c'est profond. Et plus c'est ancien, plus c'est ça. C'est comme une voix d'outre-tombe qui sortirait, tu vois. Et donc, si tu attends, quand je dis t'attends, souvent pas beaucoup plus qu'une minute ou deux, mais une minute ou deux dans le calme total, bah, tu as toutes ces informations tout le temps. Et plus tu es en contact, et en fait la réponse elle est simple, quand tu sais pas quoi faire, je dis souvent, genre, mais je fais quoi, j'attends. Je dis, envoie de l'amour. Voilà, c'est tout, parce que ça c'est le langage commun à tous. Tu ressens de l'amour, tu l'envoies. Et là tu es déjà en train de donner, donc tu seras en capacité de recevoir ensuite. Si tu es déjà en demande, alors que tu es en frustration de ne pas être en réception, bah la frustration c'est empêche juste de recevoir. Bah exactement, imagine-toi quelqu'un de frustré à côté de toi, est-ce que tu as envie de passer plus de temps avec? Non. Si c'est tes enfants, bah peut-être que tu as envie de faire quelque chose, mais souvent tu finis par avoir envie de leur mettre des claques tellement ça t'énerve. Donc voilà, ça produit d'énervement. Donc tout dysfonctionne avec la frustration. Et on est dans un monde aujourd'hui qui n'accepte pas la frustration. Alors qu'en fait, la frustration, c'est ta porte. Alors qu'il la nourrit dans tous les sens. Mais bien sûr. Et justement, donc en fait, le processus d'accepter d'être frustré. Frustrer ses enfants, c'est leur permettre de toucher ensuite au Graal, qui est le calme intérieur. Quand je vais relâcher ça, et de revenir à soi, de redécouvrir la joie de l'intérieur. Et donc ça, c'est vraiment ce monde que j'ai appris à explorer, mais aussi à accepter, à vivre, et ça c'est un monde sans fin. Et à ouvrir du coup à des gens, c'est ça, que tu peux nommer, que tu peux vraiment identifier à des groupes, et tu leur as aussi permis de comment c'est venu là, avec la connexion aux animaux, différents animaux marins. Alors comme je te disais, c'est chevaux, venu via les éléphants, via les arbres. Alors les chevaux, en fait, dans le cadre du coaching que j'avais fait, j'avais testé du horse coaching en 2004, un truc comme ça, avec une de mes amies. Et c'était très éthologique, et donc c'était très technique, c'était pas tant que ça, c'était pas assez émotionnel, c'était pas assez présent, c'était trop cérébral, je cherchais le terme, à la fois rude, dans le sens rude comme l'animal peut l'être, et en même temps... ça manquait de bienveillance, je ne sais pas comment dire autrement. Pas de la gentillesse, de la bienveillance, c'était rude. Mais comme aussi des fois la nature peut l'être, les animaux peuvent l'être. Et cette rudesse, fait que je ne suis pas rentré tout de suite en contact. Donc je suis resté avec le monde des arbres et j'emmenais des gens en forêt. J'emmenais y compris des professionnels en forêt, des professionnels, des entrepreneurs, des dirigeants, pour justement apprendre à avoir un monde un peu différent, peut-être qui les entourait, qui était proche d'eux, dans cet esprit de reconnecter les gens à la nature. Et aussi de comprendre ce que c'est que l'énergie. Ça, c'est un truc que beaucoup de gens ne comprennent pas très bien, même si de plus en plus, voilà, ils comprennent ce que c'est que l'énergie. Mais souvent, je pourrais dire simplement que par exemple, c'est comment tu te sens en forme, c'est de l'énergie. Voilà. Quand tu dis que tu es en forme, c'est que tu as une bonne énergie. Quand tu es en méforme, c'est que tu as une énergie faible, voilà, ou mauvaise. Et donc, en faisant ces journées de découverte pour lesquelles j'étais payé, et j'accompagnais, ben j'ai rencontré quelqu'un qui était un coach qui organisait des choses avec un groupe et qui, par le biais d'une personne de ce groupe qui m'avait rencontré dans un de mes stages, était venu et a dit voilà Hervé, il faudrait que tu participes. J'ai participé en Bretagne à ce groupe, et de ce groupe, cette personne s'appelle Jean-Loup Péguin et m'a fait découvrir le monde de l'écu-coaching, le monde du travail avec les chevaux, dans un autre registre que celui de l'équitation ou celui de l'éthologie, dans lequel on est encore en train de vouloir faire quelque chose avec l'animal pour s'en servir, oui, pour le faire entrer dans un van, parce que l'animal va pas bien. Et moi, je pense que c'est nous qui allons pas bien. Je dis pas que les animaux ne vont pas bien, enfin, ne vont toujours bien, c'est pas vrai, mais en partie parce que nous sommes là, et en partie parce que nous créons des difficultés pour ces animaux. Et donc, de là à dire que tous vivraient tous très bien sans nous... Évidemment que le monde est rude et que le monde animal est sauvage, et donc ça n'empêcherait pas la mort, la maladie et tout ça. Et donc
on y participe en étant des soigneurs, mais souvent pour notre seul usage et pas pour le bien-être vraiment de l'animal. Ou c'est de l'attachement, c'est dur, je veux pas qu'il meure. Mais j'ai pas demandé la vie à l'animal, c'est moi qui veux pas qu'il meure. Et donc il n'y a pas de co-responsabilité. Et je pense que dans ce monde, tant qu'on n'aura pas de co-responsabilité, on s'adjugera le rôle de Dieu, on va dire, ouais, sur Terre. Peu importe le rôle qu'on a, il faut déjà comprendre le rôle qu'on a. Alors est-ce qu'on est les gardiens de cette Terre? Est-ce qu'on a une fonction Mais tu vois, si on a une fonction de conservateur, de mise en œuvre, c'est pas la même chose que de destructeur. Voilà. Et je pense que des fois, on n'a pas bien compris ce qu'on vient foutre là. Et dans ce rapport aux animaux, eh bien, j'ai découvert autre chose, une autre pratique qui venait faire écho à la pratique que j'avais déjà à l'époque, d'enseigner l'intelligence émotionnelle, d'enseigner l'intelligence relationnelle, qui m'avait beaucoup marqué. En partie parce que moi j'étais un ancien timide, en partie parce que je fonctionnais pas bien, en partie parce que je comprenais pas bien tous ces trucs-là. Et pour moi ça a été une découverte énorme à travers le coaching, mais à travers aussi, je sais pas, des rencontres avec Jacques Salomé, à travers des rencontres avec des penseurs américains aussi. Je me suis dit qu'il y avait plein d'autres choses que je savais pas, à travers mon corps, comme je te disais, la médecine chinoise ou même la médecine ayurvédique que je connais moins bien, mais que j'ai un peu pratiqué ou rencontré des gens qui la pratiquaient, rencontré des guérisseurs. Donc j'ai compris que le monde n'était pas comme... Et les chevaux, c'est vraiment ta porte, c'est une porte facile. Mmh. Eux, c'est des vrais terriens. Ouais. Tu vois, nous, on est des aériens, quoi. On est dans nos têtes, okay, on n'est pas bien connectés au sol. Eux, ils sont connectés au sol, ils ont un seul ongle, là, comme ça. C'est des onglets, là. Ils ont qu'un pied au sol, enfin, qu'un doigt au sol, sur, ouais, quatre pieds, quoi. Et ça, c'est ancré. Je peux te dire que quand ils veulent pas que tu les bouges pas, tu vois. Et ils font de 300 kilos à une tonne d'œufs, quelque chose comme ça, en fonction des animaux. Et c'est un rapport à la puissance intérieure, à la puissance émotionnelle, parce qu'en fait, ils flippent tout le temps, même si toi, tu crois que tu as plus peur qu'eux parce qu'ils sont balèzes. C'est toujours eux qui flippent plus, parce que depuis la nuit des temps, ils ont survécu grâce à cette aptitude. Et donc, j'ai découvert, en fait, un monde que je connaissais que par la contrainte, qui était celui de monter des chevaux. Même si je l'avais fait d'une manière cool, je montais à cru. Mais c'était quand même... Le cheval était un moyen, tu vois. Alors que là, j'étais en contact avec des individus. Je ne les monte pas, je marche. Ils ne sont pas contraints, il n'y a pas de longe, il n'y a pas de licole. Je ne les tiens pas. Donc s'ils n'ont pas envie, ils ne font pas. Et donc de trouver un moyen dans lequel finalement on est passé du dominant au dominé on collabore ensemble. Et ce qui était déjà des notions que je travaillais beaucoup à l'extérieur. J'ai beaucoup participé à la mise en place de management collaboratif, d'intelligence collective en France, mais aussi à l'étranger, mais particulièrement en France. Et je retrouvais ça avec le monde animal. Et une fois que j'ai découvert ça et mis ça davantage, après j'avais une école de coaching à une époque qui s'appelait Coacher le bonheur. Je pensais qu'il fallait d'abord rendre les gens heureux avant de les rendre plus performants, on va dire. Et donc de ça est née l'idée de mettre le cheval dans cette école, l'idée d'intégrer une partie thérapeutique dans le sens compréhension du corps, le développement du magnétisme et des thérapies manuelles, juste pour les... Pour sensibiliser, pas obligatoirement pour les former à ça, oui. Pour sensibiliser. Juste ouvrir la porte. Et donc je faisais aussi une journée avec les arbres, tu vois, j'étais aussi dans l'invisible et dans l'indicible. Et tout ça, c'est ça nous reconnecte à qui nous sommes, parce qu'on n'est pas que cette chair, on est cette énergie qui permet que cette chair continue à vivre, c'est la vie, quoi. Et tout ce vivant, la vivance autour de nous, tout ce qui vit, comme disent les Indiens, en fait, tu vois, c'est quand tu inspires que tu inspires la vie, et la vie, elle est à l'extérieur de toi. Toi, tu es potentiellement la mort. Et tout ce qui est à l'extérieur de toi est la vie. Donc, la vie, c'est inspirer ça. Et rejeter ce que j'en fais du déchet, qui est la mort, ok. Et donc, revivre, faire assimiler cette vie intérieure qui passe à travers moi, que je n'ai pas à retenir, mais qui passe comme le vent. Voilà. Et qui petit à petit m'informe de qui je suis, de comment je vis. Et ça, c'est tout ça que j'ai appris au contact des animaux. Et après, évidemment, j'ai eu une envie de...
Enfin non, il y avait quelque chose qui était lié aussi à mon sport, à natation ou water polo, c'est que je vivais beaucoup dans l'eau, j'étais quelque chose qui m'animait. Et donc j'ai toujours été intéressé par les dauphins. En plus, on avait Flipper quand on était enfant à la télé. Et donc entre Flipper et les grands bleus, nager, moi je nageais notamment le papillon, donc qui s'appelle aussi le dauphin comme nage. Ouais. Et donc j'ai toujours aimé ça. Voilà, quand j'étais dans l'eau, j'adorais faire des ondulations pendant dans un bassin comme ça. Et sous l'eau, ça a toujours été mon truc. Enfin, toujours, non, mais en tout cas, longtemps. Et donc, voilà, donc je suis parti à Hawaï découvrir les baleines et les dauphins. Mais au départ, j'y allais pour les dauphins. Et puis, j'ai découvert les baleines. Et c'est devenu un... waouh. Un aimant. Ah, je me suis dit, waouh, 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 waouh. C'est quoi ce truc? Quand tu as la chance d'être au-dessus d'un baleineau qui chante, normalement, ils sont... ils sont comme ça, la tête en bas, donc en mode vertical. Et là, il était horizontal, il n'y avait pas assez de fond. Donc, dans même pas 10 mètres de fond. Donc, lui, il faisait déjà 8 mètres, tu vois. Donc, il était obligé de se mettre à plat. Et il était 3-4 mètres en dessous de nous. Et il chantait. Quand tu chantes, quand il chante à l'intérieur, enfin, tu l'entends. Entre eux, ils s'entendent à 5000 miles, hein, okay, mais nous, on l'entend à 5 km, tu vois. Mais quand tu es au-dessus, tout ton être vibre. Et tu vibres comme si tu étais un orgue, comme s'il y avait un gars qui jouait sur l'orgue et toi tu étais l'orgue. Et donc toutes tes cellules, elles sont. C'est un truc de grand malade. Je ne sais pas comment dire autrement. Et tous ces sons, c'était. Moi, ça m'a mis en transe, mais de joie, de plaisir. Je criais de joie. J'étais un gosse qui criait de joie. C'était que ma femme qui s'accrochait à moi parce qu'elle avait à la fois. Ça lui plaisait aussi comme moi. Et en même temps, elle avait très peur. Et moi, je n'avais pas peur du tout, je vais être honnête. Hein. Je n'ai pas senti la peur. J'étais que dans l'excitation. Une sorte. J'étais pas en euphorie. J'étais l'orgue, j'étais devenu l'instrument. J'ai eu l'impression qu'il me libérait de vieilles peaux, de vieux trucs, tu vois, d'oripeaux, quoi. Et j'ai adoré ce moment. Et je me suis dit, ça, il faut le faire revivre aux gens. Ça, c'est un truc extraordinaire. Bon, après, tu nager avec les baleines et les dauphins, évidemment que c'est des moments de grâce. Ils ont un œil, c'est grand comme c'est grand comme ça, là. Ça fait 40 cm de... Je ne sais pas exactement la taille. Mais comment tu as l'impression que quand tu rentres, tu regardes, tu es à l'intérieur et il est à l'intérieur de toi. En fait, on est dans un miroir commun. Et vraiment, quand tu discutes avec les anciens qui te disent qu'en fait, les baleines, c'est la mémoire des océans, quand les éléphants, c'est la mémoire de la Terre. Et je l'ai vécu dans les deux cas, hein, ce sensation. Alors, pas tout à fait exactement le même avec les éléphants qu'avec les baleines. Mais il y a ce côté dans lequel on est complètement ensemble. Complètement ensemble. Et je me rappelle, on était sur un petit kayak avec ma femme, on pagayait. Et pendant 5 minutes, on a un mâle qui est resté le long de nous, à 20 mètres, et il nageait tout doucement avec nous. Et il nous regardait. Et il avait son gros œil, là, comme ça, qui nous regardait. Et on a nagé. Et nous, on le regardait. Voilà. Et à un moment donné, il a levé sa coda. Ciao. Et puis, il nous a fait comme un signe de... Est-ce qu'il disait vraiment au revoir? J'en sais fiche trop rien, mais c'est vraiment le signe qu'on a ressenti, comme s'il nous disait au revoir. Et puis, il a plongé, puis il est parti. Mais on en a plein des expériences comme ça qu'on pourrait raconter, mais voilà, c'est des moments de grâce que tu vis. Et je l'ai vécu avec les éléphants. Alors là, les éléphants, c'est encore plus fort. Tu as l'impression qu'ils téléchargent quelque chose. Ils te regardent et tu as l'impression qu'ils t'envoient... Le disque dur. C'est complet. Ça, exactement. Des données, alors... C'est la sensation que tu as. Je ne peux pas dire que tu saches ce que ça a changé en toi. Je ne dirais pas ça. Mais je l'ai fait expérimenter à tellement de personnes que je sais que tout le monde, potentiellement tout le monde est capable de ressentir dès qu'il est un peu calé, quoi. Et donc, quand tu prends ce temps-là, tu es dans un autre temps, dans un temps d'échange, sans mots, avec juste cette sensation d'échange, tu vois, et cette idée-là, et... Te traverse, tu te dis vraiment qu'on est tous une espèce commune, je sais pas comment dire, qu'il y a quelque chose de commun dans le langage, qu'il y a quelque chose de commun qui n'est pas donc des mots, mais qui est quelque chose qui est de cœur à cœur, d'âme à âme, d'entité à entité, peu importe comment on va appeler ça, mais
Voilà, c'est très fort. J'ai vécu ça après plein de fois avec plein d'animaux différents. Et donc, je m'attache toujours à être en contact. Le langage, en fait, est une erreur de ce point de vue-là, parce qu'en fait, souvent, quand je vois les gens qui parlent aux animaux, ou particulièrement aux chevaux, bah, ils ne parlent pas aux chevaux, ils se parlent à eux-mêmes. Oui, ils parlent, mais tu vois, comme il n'y a pas de réponse, ils se parlent à eux. C'est alors, ouais, ça va bien aujourd'hui. En fait, ils se parlent à eux. Tu vois, ils créent un lien. Et puis, où ils se parlent tout simplement même à eux, parce que l'autre est là, un peu comme quand quelqu'un a besoin de parler. Et toi, tu es juste là pour lui dire, vas-y, vas-y, je parle. T'écoute. Je t'écoute. Et donc, le cheval, il t'écoute. Mais souvent, tu n'es que dans ta tête. Donc, c'est pour ça que le but, c'est de... Moi, souvent, je fais du non-verbal pur, c'est-à-dire que je n'autorise pas la parole pour t'obliger à être présent à toi, pour t'obliger à être en contact avec qui tu es. Et donc, tout le travail qu'on fait, souvent, est non-verbal, même si après, effectivement, on débriefe avec le verbal. Mais pour être conscient de ce que tu as vécu dans ton corps et pas que dans ta tête. Le but, c'est moins de t'as le mental pris, mental dans le sens la pensée, hein, le système de pensée. En fait, ça, tes pensées te conduisent tellement que tu finis par oublier que tu n'es pas tes pensées. Et tes pensées, c'est une partie de toi. Mais si tu laisses tes pensées faire, elles t'emmènent, elles te dérivent, elles te créent tes émotions, elles te pourrissent ta vie, ou elles te créent une vie extraordinaire. Mais le but, c'est d'être en contact avec la vie, avec ce qui est. Et c'est plutôt ça qui m'intéresse. Voilà, c'est ça que les chevaux, les baleines, les dauphins, évidemment les éléphants, c'est... Voilà. Quand les chevaux, en fait, te permettent d'être en contact avec ton intelligence émotionnelle, ton intelligence relationnelle, moi, ce que j'appelle aussi ton leadership naturel, ce que tu es profondément, puisque c'est des éternels seconds, donc ils t'obligent à te positionner en permanence. En gros, ils attendent que toi, tu dises le jeu. Tu vois, ils veulent bien jouer, mais on joue à quoi? Et souvent, bah, tu dis, bah, ce que tu veux. Et bah, l'enfant, il se casse parce qu'il ne sait pas quel jeu. Tu vois? Alors que c'est des éternels adolescents quand ils sont avec toi. Mais tu joues et ils jouent. Tu prends le chou, tu es sérieux, tu veux faire... Bop, bop, bop. C'est comme quelqu'un qui commence par lire la règle avant de commencer. Évidemment qu'il faut que tu donnes sûrement un peu de cadre. Hein. Ils ont besoin de cadre. Le cadre assure. Tu vois, donc tu poses le cadre, mais tu poses pas le cadre 3 heures. Tu vois. Et cette incapacité à être en contact complet avec soi et avec l'autre fait qu'on est en difficulté. C'est ça qui crée la difficulté. Alors que les éléphants, c'est... Tu es en contact de ta vulnérabilité. Je dis souvent que les éléphants t'autorisent à prendre conscience de ta puissance personnelle parce qu'ils te mettent en contact avec ta vulnérabilité. Et la vulnérabilité, c'est la porte de la puissance. Par porte, j'entends la pièce, la porte de la... T'es dans la pièce d'à côté, mais t'es au contact de la porte. Et dès que tu pousses cette porte, tu atteins ta puissance. Parce que tout ce que tu vas construire après ça est solide. Souvent, quand on apprend des choses sur soi, on n'est jamais sûr qu'il n'y a pas un truc en dessous, du genre les fondations sont peut-être, tu vois, c'est peut-être du sable mouvant. Est-ce que ce que j'apprends, en fait, va sur quelque chose de solide? Est-ce que les croyances qui portent ce que je viens d'apprendre ne vont pas se barrer comme un château de cartes? Alors que quand tu sens que tu es au fond, comme au fond de la piscine, et que tu vas pouvoir repousser, et c'est une sensation que tu sens à côté des éléphants, qu'il n'y a rien en dessous. Tu vois, il y a le roc. Voilà. C'est et là, boum, tu es au sol. Tu es là. Et eux, c'est super stable. Super, super stable. Donc, tu sens cette puissance intérieure. Et tu sens que... Enfin, tu sens... Tu le sens peut-être pas au début parce que tu as peur. Mais tu es connecté à ta peur sans la projeter, tu vois. Mais il y a 100 000 muscles dans une trompe. Ils te défoncent quand ils veulent. Quand ils veulent. Il n'y a rien à faire. Donc, tu vas être à côté d'eux et tu vas apprendre à accepter d'être vulnérable. Et parce que tu acceptes d'être vulnérable, tu vas développer cette puissance. Et parce que tu développes cette puissance, tu développes cette confiance qui va s'établir entre toi et l'animal. Et parce que cette confiance existe, eh bien, en fait, tu vas collaborer et obtenir des choses de l'animal sans les demander, je ne sais pas comment dire, comme une sorte de complicité. Tu vois, on ne monte pas spécialement sur les éléphants. Mais si les éléphants veulent que tu... ou acceptent que tu manges, je ne sais pas comment dire autrement, eh bien, en fait, le mahout qui est là, le gars qui le cornaque,
n'a rien à faire. Il est même pas des fois sur l'animal. Hmm. Tu vois. Et ils sont toujours surpris. D'ailleurs, au départ, ils me disent, voilà, tu me dis ce que tu veux, Hervé, et je vais le faire. Et je leur dis, mais tu vas voir, en fait, on se comprend, je sais pas comment dire autrement. Et quand... Il va y avoir une invitation. Voilà. Il va alors y avoir évidemment, heureusement qu'ils sont là, parce que si jamais ils sont pas bien, moi je connais pas si bien l'animal qu'eux, et donc ils connaissent leur animal par cœur, et donc ils vont faire en sorte qu'on soit dans un cadre de sécurité, mais petit à petit ils s'effacent. Petit à petit ils sortent, ils sont plus sur l'animal, ils sont à côté de nous, et ils s'aperçoivent que l'animal s'arrête, fait un signe pour dire que c'est avec toi qu'il veut bosser aujourd'hui. Et comme par hasard, tu m'avais dit que t'étais prêt. Tu vois, et c'est comme ça, parce que tout le monde... On va tout le monde, quand j'emmène des gens, on est des groupes de 10, ou 10-12 max. Et puis voilà, tout le monde ne va pas être sur l'éléphant en même temps, tout le monde ne va pas être avec l'éléphant en même temps. Mais tout le monde participe de ce qui se passe. Et au fil de la semaine, alors on ne fait pas que d'être avec les éléphants, on va vivre des expériences qui vont nous amener à découvrir cette puissance et aller au-delà de cette puissance. Donc notamment avec des expériences dans la nature, notamment avec des rencontres avec des arbres millénaires, notamment avec des forces telluriques qui sont l'eau, mais qui sont aussi la terre locale. Tout ça, on amène des gens en Thaïlande, mais on peut aller ailleurs. Il y a bien évidemment plein d'endroits où il y a des éléphants, mais c'est quand même la terre des éléphants, la Thaïlande. Et donc, dans ces espaces qui sont des sanctuaires pour des éléphants, dans lesquels ils sont protégés, évidemment, il n'y a pas de nacelle, on ne monte pas sur les éléphants, il n'y a pas de contraintes. Okay. La seule contrainte, c'est qu'ils vivent pas tout à fait dans l'espace qui serait le leur, puisque sinon ils feraient 50 km potentiellement la journée et ils seraient loin. Voilà, c'est la contrainte. Et nous, on est au bord de la rivière Kouai, donc un des bras de la rivière Kouai, enfin où il y a deux rivières Kouai, je crois. Et il y a d'un côté qui fait la limite, parce que il y a du courant, hein, ils seraient emportés tout de suite. Hein, c'est balèze, même s'ils savent très bien nager, hein, c'est des bons nageurs. Mais ça envoie. Et donc d'ailleurs, nous on fait une descente de rivière qui plaît aux gens, un truc de malade que je raconte pas trop, mais parce que j'aime bien laisser la surprise de comment on va le faire. C'est pas du tout avec un moyen tout à fait habituel. Et donc dans ce rapport qu'on a à l'eau qui va te nettoyer, dans ce rapport que tu as, on va dans un endroit où il y a des cascades, ou si on va voir des temples, c'est pas... Oui, il y a l'aspect beau, il y a l'aspect, je dirais, de reliance, mais en fait, on y va aussi parce que c'est un autre cadre, on crée des temps où tu vas digérer cette puissance, où tu vas laisser partir des choses. Et tout ça, pour moi, c'est un mix entre, tu vois, ce que les animaux, la nature nous permet de vivre, et ce que nous, on essaie de créer une forme d'intelligence collective qui va faire que le groupe, aidé par nous, va pouvoir vivre des expériences et aller au-delà de... Et c'est, pour certains, ça sera thérapeutique, mais sans avoir, je dirais, sans chercher à nettoyer quelque chose. Tu vois, c'est plutôt laisser faire que de faire quelque chose. Okay, c'est pas, je te demande pas de te raconter. Il n'y a pas de processus, je dirais, cathartique. Tu vois, on est dans un rapport, mais tu es dans un rapport à ta peur, tu es dans un rapport à tes émotions profondes. Parce que rapidement, si tu as peur à côté d'un éléphant, si tu n'as pas peur, c'est une mauvaise idée. Hein. C'est pas bien. C'est pas bien câblé. Et tu vois, on évite les mâles parce qu'ils sont trop puissants. Ouais. Mais bon, ça m'arrive des fois d'emmener des gens, mais je n'emmène pas un groupe. Mais voir comment ça fonctionne avec les mâles, et en forêt, idéalement. Donc plus dans un milieu naturel. Et voilà, mais un éléphant en route, tu ne le retiens pas. Donc tu vois, une femelle, ça fait déjà 3 tonnes. 4-5 tonnes. Voilà, 5 tonnes. Et là, je parle en plus d'éléphants d'Inde, hein, qui sont la vraie race des éléphants, puisque on dit les éléphants d'Inde, alors qu'en fait, eux, c'est les éléphants d'Afrique ne sont pas la même race. Okay. D'accord. Ils descendent d'une autre lignée, on va dire. Et donc ceux qui correspondent à ceux qu'on a eu, les mammouths qu'on a eu en Europe, voilà, c'est la même lignée, ça, c'est ceux qui sont les éléphants d'Asie. Et dans ces éléphants, tu vas avoir ce rapport donc à ton intériorité, ce rapport à ta puissance intérieure. Parce qu'on a tous ce sentiment qu'en fait on a un potentiel. Enfin, je pense, hein, depuis le temps que j'accompagne des gens, je m'aperçois que ceux qui veulent travailler sur eux, souvent c'est parce qu'ils pensent qu'ils ont un potentiel qui n'est pas exploité.
qu'ils aimeraient découvrir, qu'ils sentent qu'ils ont réussi un jour mais qu'ils n'arrivent pas à reproduire. Et c'est ça que tu découvres avec l'éléphant, c'est que tu as ce potentiel que tu peux aller au-delà. Et ça, c'est une joie profonde. Ça te reconnecte à l'enfant qui pense que tout est possible, oui, quand il est enfant. Oui. Et là, à ce coup, tu dis waouh, alors peut-être que je pourrais y arriver, peut-être que les trucs que j'ai rêvés, je vais pouvoir les mettre en œuvre. Et c'est pas non plus la clé de la réussite de tout, mais c'est en tout cas un moyen c'est pour un se début. Remettre sur notre chemin. Voilà, si tu crois que tu as une mission de vie, si tu crois que tu as quelque chose qui te pousse. Une destinée, ça serait un autre mot que j'utilise pas, mais je peux comprendre qu'on utilise ce mot aussi pour d'autres raisons. Voilà, en tout cas, quelque chose qui fait qu'on n'est pas là sans aucun sens. Même si on a pour moi une liberté totale d'y aller ou de ne jamais y aller, d'être en opposition, parce que je vois bien à quel point beaucoup de gens sont dans des ornières, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans la route, mais ils suivent pas tout à fait leur trace, leur route. Ils sont dans la trace d'un autre. Donc des fois ça sert d'être dans la trace d'un autre, comme dans le ski de fond, c'est moi. Tu vois, c'est plus simple. Et puis par moment, il faut que tu fasses ta trace. Si tu veux doubler. Voilà. Voilà. Ou même parce que par moment, peut-être que les traces de l'autre ne sont pas les tiennes et qu'elles ne peuvent pas marcher avec toi. Et donc il y a ça. Et puis parce que aussi, des fois, un peu, c'est un peu comme quand on est dans une route et puis que tu sais, t'es dans le fossé à côté à droite. Là. Et en fait, tu vas bien au même endroit. Mais c'est pénible. Sur la route, c'est facile. Mais là, dans ce fossé, c'est... Tout ce que tu vis est pénible. Et pour moi, souvent ça. Ouais. Il y a quelque chose de pénible. Et pourtant, on est sur le chemin. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'en fait, on est quasiment sur la route, mais pas sur la route. Mais on va bien dans la même direction. Donc, ça veut dire qu'on ressent bien que c'est quand même par là qu'on doit aller. Et souvent, on s'aperçoit que quand on s'arrête, c'est juste qu'on est fatigué de ça et qu'il faut juste prendre le temps de dire « Ok, il y a quelque chose de... » qu'on nomme le flow aujourd'hui, mais qui ressemble à la légèreté, à la simplicité, qui n'est pas obligatoirement facile, d'accord ? Parce que peut-être que c'est contre-intuitif, peut-être que ça me demande de faire des choses que je n'aime pas faire. Par exemple, lâcher prise. Lâcher prise. Okay, ouais. Et pour certaines personnes, de dire je lâche quoi ? En fait, rien, mais aussi, je disais, ton mental, bah oui, mais comment ? En fait, souvent, c'est de se fixer un autre objectif, d'aller vers un autre truc qui me permet de prendre conscience que je retiens autre chose. Mais c'est ces prises de conscience successives qui fait que je lâche prise petit à petit sur l'idée que j'ai de moi, l'idée que j'ai de devoir être une personne qui n'est pas moi, l'idée que j'ai d'une réussite d'une certaine manière et qui ne fonctionne peut-être pas comme ça, un peu comme quand je veux apprendre à quelqu'un parce que moi j'ai appris et c'est obligatoirement comme moi. Il est droitier, t'es gaucher déjà, donc ça marchera peut-être pas pareil. Et voilà, et il n'y a pas que les préférences motrices. Donc tout ça pour dire que je trouve que les animaux nous permettent d'être dans quelque chose de plus simple, de plus vrai, qui a à voir avec l'authenticité, qui a à voir avec eux, ils mentent pas, ils n'ont pas d'avis, ils n'ont pas de jugement sur toi, et ils te mettent en contact avec ta réalité. Et heureusement qu'il y a des humains aussi qui sont comme ça. Mais pas tant que ça. Dans le monde occidental dans lequel je vis, j'en rencontre pas tous les jours. Je les repère souvent. Et c'est agréable d'avoir des gens qui sont juste capables d'être assis à côté de toi sans rien. Tu vois, moi ça m'arrive des fois, je m'assois à côté de quelqu'un et on va passer une demi-heure, me dire très peu de choses, voire... Je me rappelle très bien d'une fois où je me suis retrouvé à La Paz discutant avec une indienne. Et elle parlait sa langue et je ne la parlais pas. Et je suis parlé espagnol au début, puis après je parlais français. Je racontais ma vie, elle racontait la sienne. C'est comme si on parlait tous les deux comme ça en parallèle. Et puis à la fin, j'ai fait merci, j'ai vu qu'elle me remerciait. Voilà. Elle n'a pas parlé tout le long. Il y a eu un échange avec des mots, mais qui signifiait juste de passer de l'énergie de l'un à l'autre. Et je vis ça aussi avec les gens qui ont Alzheimer. Souvent, tu vois, tu regardes. Oui. Il y a quelque chose, mais... Il y a une sorte de profondeur, sans pouvoir perdre de mots. Et puis après, il y a des moments de... Et comme par hasard, il y a des moments de lucidité à ce moment-là. Bingo, qui te reconnaissent à nouveau. Et t'es presque surpris qu'ils te reconnaissent parce qu'ils ne te reconnaissaient pas avant. Voilà, et peu de mots, mais juste de la présence.
un échange de cœur à cœur, sans chercher à avoir cet échange, tu vois, c'est presque d'être dans... comme si on partageait un plat, tu vois, dans lequel on est juste en train de dire « Ah ouais, c'est bon. Merci, tu vois. » Juste ça. C'est, et voilà, je partage une sorte de plat. On est tous les deux à côté, l'un ci, à côté de l'autre. C'est gustatif, c'est ça. C'est intérieur. Sacrée parenthèse, cet épisode. Mm. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Peut-être pour... avant de passer à quelques petites questions habituelles à la fin, avec tout ces différentes activités, toutes ces différentes possibilités, j'ai envie de dire, le quotidien aujourd'hui d'Hervé, une semaine type, c'est comment ça se passe? Moi, je dirais que j'ai la chance de ne pas vivre des semaines qui se reproduisent, tu vois. Même si, effectivement, il y a quand même des choses qui reviennent. Là, je pars pour Dax. Je vais aller faire une journée d'EQ-coaching, passer du temps avec un entrepreneur et son équipe, et puis avec mon épouse, Sylvie. Et donc, voilà. Et là, je ne connais pas le centre. Je vais voir des nouveaux chevaux que je ne connais pas. Ouais. Apprendre à voir comment ça fonctionne, même si on a parlé avec la personne du centre. Mais au fond, je le connais pas, je connais pas ses chevaux. Et c'est toujours des rencontres, déjà, avec les chevaux. Rencontres avec des gens. Donc il y a cet aspect-là. Et puis la deuxième chose qui est toujours intéressante, c'est quand tu voyages. Le voyage, tu vois, on prend le train, donc tu voyages et t'es dans une autre dimension dans le voyage. Il y a quelque chose qui te reconnecte à toi. Moi, j'aime ça, tu vois. Mmh. Alors, on est dans des TGV aujourd'hui, ça prend pas beaucoup de temps, mais quand tu prends le temps, le train à l'ancienne, j'aime bien, là, j'adore les petits TER, là, tu vois. Parce que tu es dans des vitesses qui sont plus proches de ce qui est naturel pour nous. Et encore, ça va déjà. Ça va vite, quand même. Naturel, 80 km/h ou 100 km/h, c'est peut-être pas naturel. Et donc, ben voilà, je trouve que c'est top. J'adore ça. Donc ça, voilà, mercredi, ensuite, je rentre et je vais écrire. Donc là, je suis en train d'écrire des livres sur les émotions, les grandes émotions. Donc j'en écris, je vais en écrire 4 quasiment en même temps. J'écris 4 livrets, on va dire, pas d'une centaine de pages. J'en ai déjà écrit un sur la joie. Et je voudrais poursuivre dans cet esprit-là. Donc, la première partie est une interview. Donc, j'ai choisi des rencontres m'ont permis de rencontrer des gens qui ont envie de m'interviewer. Donc, qui vont m'interviewer sur un sujet, la joie, l'autre sur la honte, l'autre sur la colère, et ainsi de suite. Et donc, il y a 20 minutes, à peu près une demi-heure de conférence, d'échange, comme ça, sur ça, avec des questions qu'on a préparées, mais aussi des questions que l'autre pose comme il a envie. Mm-hmm. Hein, je ne sais pas exactement ces questions. Et donc, ça fait un première partie du livre. Et puis après, un peu comme dans l'esprit du podcast, j'ai une deuxième partie où mix entre analytique et énergie du cœur aussi, qui est de qu'est-ce que ces leçons de vie peuvent nous apprendre, à quoi servent ces émotions, comment on fonctionne, comment je peux les progresser avec. Voilà. Et donc, à chaque fois, j'ai pris un temps comme ça de questions et de réponses, on va appeler ça comme ça, et de temps de partage. Mmh. Voilà, donc je suis en train d'écrire ces 4 livres-là. Donc pour l'instant, je suis en train d'écrire les scénarios pour les intervieweurs. Et puis de commencer déjà à réfléchir à la matière que je veux prendre. Donc des fois, tu trouves une phrase, hop. Là, j'ai une de mes élèves, EQ coach, qui me dit l'anagramme de colère, c'est éclore. Ah, j'ai dit, ah ouais, sympa ça, tu vois. Donc bon, je vais peut-être m'en servir, j'en sais rien. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire éclore à travers la colère. Okay. Donc tout ça pour dire que par moment, j'ai une sorte de carnet de notes. Donc une partie de ma vie, c'est de noter des idées, des choses sur lesquelles peut-être je reviendrai jamais. Mais c'est aussi pour pas qu'elles trottent dans ma tête en permanence. Oui. Il faut vider un peu. C'est ça, décharger. Je vide tout le temps. Puis je dis souvent qu'en fait, il n'y a pas de goutte d'eau qui fait déborder un vase. Il y a juste des vases trop pleins. Ouais. Et c'est comment je vide mon vase régulièrement pour pas avoir de gouttes d'eau qui m'ennuient et qui font qu'à un moment donné, je vais mal me comporter ou mal vivre avec moi.
mal vu la situation. Et je fais très attention à ne pas avoir de goutte d'eau qui fait déborder de vase. Donc, quel est le trou que je dois faire dans le vase? Quel est le robinet que je dois ouvrir? Quelle est la purge que je dois mettre en œuvre d'une manière régulière? Donc moi je le sais, c'est physique, il faut que je fasse une activité physique, ça c'est une chose, nager notamment, l'eau me fait beaucoup de bien, mais pas que, m'inspirer, me reconnecter à moi, être dans la nature, tout ça c'est des moyens pour moi qui fonctionnent très bien, les techniques de respiration aussi que je pratique. Et donc une journée type, ça intègre ces routines un dont je parle là. Ça, ouais. Ça intègre aussi des temps de coaching. Là, cette semaine, en plus, je vais avoir à certifier mes EQ coach, qui pour moi, la certification, c'est plutôt comment on permet à des gens qui ont progressé, qui ont avancé, qui se sont développés en tant que professionnels, d'être adoubés par leur père. Tu vois, pour moi, c'est un processus d'adoubement plus que d'examen. Oui. C'est soit ils ne sont pas au niveau et ils devraient le savoir, parce que moi je le sais, et le but c'est plutôt de dire où t'en es, est-ce que t'es prêt, et si t'es pas prêt, bah on remet ça, mais moi je ne fais que confirmer ce qui est déjà à l'intérieur de toi, je fais que te donner l'autorisation que tu t'autorises pas encore, mais le but c'est que t'apprennes à t'autoriser. Pour moi, s'autoriser c'est être l'auteur de, c'est pour ça que j'écris, pour être l'auteur de ma vie. Et cesser de laisser les autres être les auteurs de ma vie. Et oui, il y a des choses que je ne gère pas, il y a des choses que je ne contrôle pas, et il faut avoir la sagesse d'arrêter de se battre contre des choses, ou alors il faut s'investir dessus. Mais je ne peux pas m'investir sur tous les sujets. Donc moi, je m'investis sur la nature, je m'investis sur le vivant, qu'il soit l'humain ou ce qui est autre autour de l'humain. Je m'investis sur... une forme d'écologie, on va appeler ça comme ça. Et d'essayer de que chacun de nous trouvions notre place dans ce monde. Voilà, pour moi, ça me paraît essentiel. Parce que je pense que quand on fait ça, je me suis aperçu à quel point, quand j'aide les gens à trouver leur place, ils arrêtent de faire chier leurs voisins. Tu vois. Et donc, voilà, quand tu trouves, quand quelqu'un trouve sa place, et souvent, le faux message, c'est juste d'être amoureux. Tu vois, parce que l'état amoureux, c'est un état névrotique, comme disait Freud. Effectivement, c'est un état dysfonctionnant. C'est pour ça qu'il y a des gens qui aiment être amoureux, qui sont amoureux de l'état amoureux, mais qui ne sont pas vraiment en amour. Et donc, être en amour, c'est être en relation, être en contact, et ce n'est pas être en fusion obligatoirement, même si une partie de nous a envie de retrouver cette fusion intra-utérine ou enfant avec sa mère ou avec le divin. D'accord, et c'est d'être prendre conscience que justement, je me suis individualisé. Ça ne veut pas dire que je ne fais pas partie d'un ensemble, d'un collectif. Mais voilà, je suis. Comment je vis la goutte d'eau que je suis dans une vague. Si je retire toutes les gouttes d'eau, évidemment qu'il n'y a plus de vague. Et donc, je suis aussi essentiel qu'une autre. Mais pas plus. Quelle est ma fonction en étant cette goutte d'eau ou ce grain de sable dans le désert, tu vois. Et pour moi, tout ça, c'est ces opportunités de vie qui m'intéressent d'accompagner. Et vendredi, qu'est-ce que je fais? Vendredi, je vais prendre du temps pour... je vais dans un bois le matin parce que je veux me reconnecter un peu aux arbres. Mais après, j'ai des séances de coaching, en fait. Là, je vois des entrepreneurs que j'aide à mieux fonctionner. Donc, il y en a un qui va me retrouver dans la forêt parce que j'adore me balader, faire des coaching forêt, j'appelle ça, ouais. Coaching balade. J'aime bien utiliser l'environnement. Et des fois, des gens préfèrent être dans un bureau, mais des fois, ils préfèrent être à l'extérieur, parce que c'est pas la même chose. Ça sort du cadre. Ouais. Moi, je sais que ça marche bien pour moi, parce que je suis quelqu'un qui apprend mieux dans le mouvement, même si j'ai pas besoin d'un mouvement rapide. Non, j'ai besoin d'un mouvement, c'est tout. Et puis de stabiliser et de réfléchir. Donc j'aime bien, tu vois, de marcher, puis de s'asseoir, trouver un banc, peu importe si c'est une souche, un arbre. Une souche, voilà, c'est ça. Et puis, ou m'adosser contre un arbre, et puis laisser, déposer, et puis repartir avec une idée ou une autre. Donc j'ai des petits carnets toujours dans mes poches. Comme ça, ces petits carnets sont plus un moyen de me décharger que de garder une idée.
Et puis même si des fois je vais les relire, et puis on me dit ah ouais tiens c'est sympa, ça va en amener d'autres. Ah, ça m'amène une idée où je me dis tiens je viens piocher des idées, mais c'est pas une difficulté, je m'aperçois le nombre d'idées que j'ai à la minute, donc c'est pas un problème. Je suis un hyper créatif, donc j'ai pas de difficulté à trouver des idées. Et l'erreur souvent c'est de croire qu'on est en difficulté pour trouver des idées, on n'est peut-être pas des idées géniales pour tous les sujets, soit, mais je pense qu'en fait on a une capacité de connexion à ce qui nous dépasse, qui fait que tout est dans la nature, tout est là, et il suffit juste de le lire, et donc potentiellement on a toutes les réponses. Pour moi, notre seule difficulté, c'est de cesser à cette incapacité à gérer la propriété. Tu vois, enfin, à gérer, mais c'est pas le terme, gérer la propriété, à s'approprier, je voulais dire le contraire, c'est-à-dire que on a une capacité à penser que tout nous appartient, alors que, à part peut-être notre vie, rien ne nous appartient. Nos enfants ne nous appartiennent pas, on est là pour les éduquer, c'est pas la même chose. Et le but c'est de s'appartenir à soi-même justement. Et on vit avec tous ces paradoxes de l'amour qui devient de l'attachement. Donc on aime nos enfants pour qu'ils partent et on aime nos conjoints pour qu'ils restent, tu vois. Et donc c'est plein de paradoxes permanents, ouais, dans notre vie. Et je pense que c'est ça le but, c'est de nous aligner, nous intégrer, nous ancrer, comprendre le centre des choses, enfin tu vois, le sens des choses pour nous. Et ça ça peut prendre, c'est multiforme, protéiforme, comme la créativité des enfants. Et donc ça, c'est le truc extraordinaire, mais en même temps, c'est sans fin. C'est un parcours sans fin. Et comme un petit peu cet épisode où j'aurais envie que ça dure toute la journée, mais on ne peut pas. ça sera une suite. J'invite tout le monde à aller écouter ton podcast, lire les livres que tu publies. Peut-être une dernière question. Oui, quelles ressources aurais-tu envie de partager là, suite à tout cet échange? Le dernier livre que j'ai sorti, qui s'appelle 4 saisons pour trouver sa place dans ce monde, contient énormément de ressources, parce que j'ai mis 15 ans ou 20 ans de pratique dans ce livre. Alors il n'y a pas tout, mais il y a quand même beaucoup de choses que j'ai pratiquées ou que je pratique toujours et qui sont des outils concrets. Donc c'est toutes les semaines et les saisons et intersaisons, comme on utilise en médecine chinoise, où il y a des exercices concrets. Donc je ne sais plus, il y a une centaine d'exercices au total. Mais vous n'êtes pas obligé de les pratiquer tous et toutes. Mais ce qui est le plus important, c'est pour moi, c'est le mix entre un sujet de fond qui me permet de progresser, un exercice et les contes philosophiques que j'ai mis dans ce livre, et qui permettent d'avoir un autre regard sur soi ou une autre manière de se rappeler des choses, parce que je trouve que les contes ont cette faculté de transmission, de t'accompagner. Et donc je dirais qu'un bon outil, c'est de trouver l'outil qui m'accompagne. Moi, les contes m'accompagnent. Et je pense que trouver la respiration m'accompagne, la respiration consciente. Et ça, c'est ce qui fait que quand on est présent à soi, je dirais que ma quête, moi, c'est celle-là, c'est d'être présent à moi. Est-ce que tu as un livre de un recueil de contes? Dans ce bouquin, tu as déjà 65 contes. Il y en a beaucoup, oui. Ouais. Alors, je suis en train d'en écrire un où je mets que les contes. Voilà, je vais mettre que ces contes-là, plus les 50 autres que j'ai découvert. Tous ces contes ne sont pas les miens, hein, bien évidemment. Beaucoup sont des contes qui sont des contes universels. Hein. Ils sont juste réappropriés, trouver une autre manière. Des fois, je les ai récupérés sur Internet et puis je les ai, je dirais, verbalisés, adaptés par rapport à ce que j'avais envie de dire. Donc, des fois, c'est des chutes qui sont différentes. Vous pouvez connaître l'histoire déjà, mais elle n'est peut-être pas racontée exactement comme ça. Et puis, certains contes que j'ai découverts qui sont écrits par des auteurs au XVIIe siècle, au XVIIIe, au XIXe, ou bien qui sont millénaires, qui doivent se raconter d'histoire en histoire, qui sont des choses assez universelles, qu'on trouve d'ailleurs dans toutes les traditions. Donc ouais, je dirais qu'un bon outil, c'est un outil qui me fait évoluer, qui m'accompagne, et je trouve que les contes, en tout cas les contes initiatiques, pas seulement les contes pour enfants, hein, qui ont évidemment plusieurs degrés de lecture, mais les contes initiatiques ont pour fonction de me faire passer un cap
Voilà, je pense que le processus initiatique est souvent un moyen, un bon moyen. Alors aujourd'hui, on va vers du chamanisme, on va vers pas mal d'autres choses pour aller s'initier, mais c'est parce que justement, on a perdu le sens. Tu sais, une partie des rites initiatiques ont pour vocation de devenir un homme ou de devenir une femme. Et donc, comme on a perdu une partie, même si pour certains, je trouve que c'est bien parce qu'ils étaient ou dangereux ou contraints, enfin, qui ne correspondent plus en fait à notre manière de voir le monde. Hein, ce qu'on peut faire aux hommes ou aux femmes était parfois difficile. Oui. D'accord, ok. Et difficile ou, je ne sais pas, j'en sais rien, presque inhumain, au regard de notre vision européenne en tout cas. Mais pour autant, les supprimer, supprime la tradition, supprime le sens, les passages et donc voilà, les femmes ont leur menstruation et je dirais que les hommes n'ont pas grand chose, ils ont la voix qui mue, enfin tiens, c'est pas grand chose, tu vois. Donc qu'est-ce qui fait qu'on devient vraiment un homme? Il faut des fois attendre que d'avoir un enfant, et en fait est-ce que c'est ça qui fait que t'es un homme? Parce que après c'est plutôt ça qui fait que t'es un père. Parce que t'as pas, et souvent les femmes ont eu 9 mois pour s'y habituer, mais les pères ont quelques secondes pour essayer de comprendre ce qui, même s'ils font ouais, ils accompagnent tout le long, mais moi voilà, j'ai 5 enfants et je vois bien que c'est pas la même chose. Voilà, j'ai accompagné des femmes, enfin ma femme en particulier, mais aussi d'autres femmes dans la vie, j'ai bien vu, et c'est, voilà, t'es à côté, et ce qu'elles vivent c'est ce qu'elles vivent. Et toi, tu peux avoir de la compassion, tu peux vivre plus fort, mais c'est jamais ce qu'elles vivent. Donc, nous, les hommes, on ne sait pas ce qu'elles vivent quand elles accouchent. On ne sait pas ce qu'elles vivent quand elles portent un enfant. On a des compréhensions. Voilà. Et les mots ne peuvent pas décrire ces états internes. Voilà, je pense que dès que je peux... Donc, chacun de nous, on va découvrir, mais je pense que le plus important, c'est d'apprendre à découvrir justement ce qui est le plus juste pour moi, pour m'accompagner. Et le fait d'être y compris seul dans cette démarche me permet de ne pas souffrir de la solitude. Je suis souvent seul, mais avec joie. Je m'ennuie jamais avec moi-même. Un grand, grand merci, Hervé. Je crois que c'est parfaitement le mot de la fin. Avec joie, merci. J'invite tout le monde à aller voir les notes et à te retrouver du coup dans tes publications, tes podcasts et sur ton site internet. Merci Gaël. À très bientôt, merci beaucoup. Merci, salut.